Ouais, il dit des choses, il dit des choses. Bah, il me dit des bêtises, hein. Il n'ose pas le dire, mais il est timide. Ces jeunes acteurs pleins d'avenir. Après, il va vouloir les regarder, il va me déchirer, mais je ne l'ai pas et tout. Non, vous n'êtes pas comme ça quand même. Je ne sais pas, à la télé. Vous m'avez vu à la télé. C'est vous qui m'avez vu à la télé. Ah, oui. C'était vous. Bonjour monsieur, tu fais un film? Tu fais un film sur le film monsieur? Vous faites quoi au niveau du Doc Martin? Bon, je suis une simple figurante, on m'a convoqué pour faire du vélo. Voilà. Depuis cet après-midi, vous ne faites que du vélo. Voilà, c'est parfait. C'est bien agréable. Ça c'est bien envoyé, Doc. Ça c'est bien envoyé, Doc. Alors attention, s'il vous plaît, moteur. Ça tourne. 1140. Là, il n'y a pas d'avancée, hein. Si. Première. Non. Ah, si, pareil, sans avancée. Donnez. Allez, attention. Action. Bon, mais déjà, on n'avait pas à ta porte. La secrétaire n'en fait pas une. Assistante de direction. Tu peux vivre où tu veux, mais pas ici. Ça, c'est bien envoyé. Tu y arrives comme l'autre. Oui, mon ami. Tu ne leur écrases pas l'appareil. Avec tes gros doigts. C'est gentil. Ça tourne.
Satisfait de cette saison 2, ces nouvelles saisons 2, et au niveau des fans qui attendent avec impatience. Ah bah je pense qu'ils ont raison d'attendre et d'être impatients, parce que mais cette année, la diffusion risque de se faire un peu plus tôt que l'année dernière. TF1 me demande d'avancer la livraison des films pour essayer peut-être de diffuser avant janvier. Ça me paraît difficile, parce que comme vous avez vu, on vient de terminer aujourd'hui ici. Mais je pense que c'est une très bonne saison, très drôle. Je trouve qu'on a des caractères, des personnages à la fois touchants, drôles, émouvants. Et comme l'année dernière, on a eu beaucoup de reproches parce que ça s'arrêtait au bout de 3 soirées. Là, il y a à nouveau 3 soirées, mais je pense que les spectateurs vont être contents de retrouver nos héros. Oui. Le rôle de Guy Marchand, alors, cette année? Le rôle de Guy Marchand, ben, c'est le rôle du père de Martin. Tout le monde s'interroge sur la façon dont Martin a été élevé pour être aussi droit dans ses bottes et aussi peu négociable. Et en voyant son père et sa mère qui viennent pour liquider des comptes, si on peut dire, à Port-Garec, voir Martin, on comprend comment Martin est un peu psychorigide, disons. On comprend comment il en est arrivé là. Et donc Guy Marchand est formidable et en même temps ses parents viennent annoncer qu'ils divorcent. Ouais. C'est aussi des scènes assez croustillantes et vraiment amusantes. Ouais. Je suis productrice indépendante, j'ai une société qui s'appelle Ego Productions et je travaille indifféremment pour les différentes chaînes. Et donc, sur TF1, j'ai Alice Nevers, qui est une série polar qui passe le jeudi. Nous avons donc Doc Martin en comédie. J'ai des choses qui vont arriver sur France 2 dans le trimestre, là. Notamment un thriller qui s'appelle Faux Coupable, qui, je crois, est sur un fou passionné d'amour et qui ne veut plus lâcher sa proie. Voilà. Et aussi une comédie sur M6, voilà. On s'active. Voilà, Pascal Grognot, je vous remercie. Je vous en prie. Et on attend avec impatience. Alors, on va attendre Noël et puis après, voilà. On va essayer d'attendre janvier. Voilà, absolument. Voilà.